À Paris, le trafic restait très perturbé ce lundi à la gare Montparnasse en raison d'une panne technique. Train annulé, en retard ou redirigé vers une autre gare. Pour les voyageurs, il y a de quoi perdre la tête, voire perdre patience. C'est chiant. Ça fait une heure que je devrais être dans le train, c'est fatigué. Et là, vous avez un train, là ? Ouais. À l'origine de ce chaos, une panne de signalisation qui avait entraîné la veille l'arrêt total de la circulation en plein week-end de chassé-croisé des vacanciers. Ce lundi encore, de nombreux voyageurs étaient redirigés vers d'autres gares parisiennes, dont celle d'Austerlitz. On est arrivé à Montparnasse et on dit qu'il faut aller à Austerlitz maintenant. Donc j'attends de savoir ce qui va se passer. Ils auraient pu anticiper. Nous, on a pris un taxi pour venir à Montparnasse. On aurait pu aller à la gare d'Austerlitz. Là, on se retrouve avec deux enfants en bas âge, avec plein de bagages. On ne peut pas monter dans le bus parce qu'évidemment, il n'y a pas assez de place. Et voilà, donc c'est la désorganisation totale. La SNCF ne prévoyait pas de retour à la normale ce lundi. Ce soir à 22h, tous les trains à la gare Montparnasse seront stoppés pour vérifier les réseaux électriques.